Là, le Mali est confronté à une insécurité montante dans ses principales villes, Mwenedictou et Cabinda. Des bandits de grand chemin cambriolent les ménages des paisibles citoyens. Le chef de la police provinciale est descendu dans les familles victimes. La nuit de ce jeudi à Cabinda, le général Tariel Kisaka a appelé à la collaboration de la population. Il est au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. La sécurité est avant tout une histoire de tout le monde. De tout le monde, c'est-à-dire de toute la population. Il ne faut pas verser dans une aberration pour croire que l'insécurité relève seulement du domaine de compétence de la police. Non. Il faut une participation de toute la population aux côtés de la police pour vaincre l'insécurité. Tous ces criminels, tous ces voleurs, ce sont nos enfants, nos neveux, nos frères, nos sœurs qui habitent avec nous et qui savent. Si déjà il y a un voleur qui entre chez le voisin, vous avez le devoir de le dénoncer ou de signaler la police. Vous avez le devoir de signaler même la population environnante. Les stratégies que nous avons prises concernent d'abord la relance des patrouilles. Nous relançons les patrouilles nocturnes, mais comme je le disais, les patrouilles sont organisées par la police. Mais il faudra que cette police bénéficie de la complicité de toute la population, de tous les habitants des différents quartiers, de sorte que quand les patrouilleurs sont en train de passer dans les quartiers, qu'ils puissent bénéficier de cette complicité de la population pour signaler partout où il y a des voleurs, et de sorte que la police puisse en finir avec eux.